L'idée de reçu numéro 5, dans le domaine social, il n'y a pas besoin de business plan. Là, tout de suite, on désespère Thomas Bou, qui est éditeur et fondateur des éditions de la rue de l'Échiquier, puisqu'il va publier le 6 juin, c'est ça ? Le 9 juin. Il va publier le 9 juin un ouvrage qui s'appelle L'entreprise sociale a aussi, entre parenthèses, c'est un truc d'éditeur, besoin d'un business plan. C'est ça ? Je ne me suis pas trompé. Voilà, les autres. Et Marie Trélucane. On a aussi besoin d'un business plan social. Ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est d'abord une démarche avant d'être un outil. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que si vous faites une étude, vous apercevez que les entreprises sociales qui ont réussi n'avaient pas de business plan social. Unicité, dont je vous ai parlé, n'avait pas de business plan social. La clé pour l'autisme, qui a démarré il y a 15 ans avec zéro et qui est à 250 personnes accueillies, 15 millions d'euros de budget et 250 salariés, il n'y avait pas de business plan social. Mais ce qui est symbolique et révélateur, c'est que les deux initiateurs de ces deux entreprises sociales se sont retrouvés pour formaliser ce qu'ils avaient vécu et ce que nous avons donc rencontré et passé dans cet ouvrage que Thomas va publier. Tout ça pour vous dire que ce qui compte dans le business plan, c'est pas tant l'outil, bien sûr que c'est important et utile, mais surtout la démarche, le questionnement qui va à travers duquel l'entrepreneur va passer pour mûrir son idée, pour mûrir son projet. Donc c'est une démarche et un outil clé pour prouver la viabilité économique du projet et l'impact social du projet. Donc non seulement il faut un business plan qui permet de convaincre les financeurs qu'ils ne perdront pas leur argent, mais en plus il faut un business plan social pour définir ce qu'est l'impact social du projet. On a même un petit outil, on va y aller tout de suite, et après je reviendrai en arrière, qui vous illustre un des moyens de mesurer l'impact social, c'est le SROI, que certains d'entre vous connaissent, Social Return on Investment. On a aussi le SIA, le Social Impact Investment, qui sont deux méthodes, toujours anglo-saxonnes, ça c'est pas non plus complètement un hasard, qui permettent donc de mettre des euros sur ce que rapporte le fait de donner une perspective à un jeune, sur ce que rapporte à la société comme bénéfice le fait de permettre à un sourd de pouvoir communiquer avec son opérateur de téléphonie. Bref, l'idée c'est de passer par l'étape de l'euro, qui n'est évidemment pas là non plus une fin en soi, qui était une condition nécessaire, parce qu'on est dans un secteur où les gens ont tendance à vous dire « Oui, mais nous, on fait de l'humain, vous comprenez, on met du lien, tout ça, c'est très spécifique. Partout, on fait de l'humain. Dans toute entreprise, il y a des hommes et des femmes. » Donc, cette idée de leur dire « Mais il y a un moment où, quand même, on est obligé de se préoccuper d'économique. Et il y a un moment aussi, il faut dire aux financeurs et à ceux qui nous aident, on ne peut pas raisonner que par l'économique, on ne peut pas raisonner qu'on peut éviter, d'où cette démarche. » Alors, très rapidement, vous avez l'entreprise classique. Là, vous lisez « Je vais juste prendre la cible pendant que vous lisez les autres éléments pour vous dire que dans une entreprise sociale on s'intéresse à toutes les parties prenantes, donc bénéficiaires directs et indirects, les clients, là où l'entreprise traditionnelle s'intéresse à ses clients et ses actionnaires, et on est sur des besoins rentables dans un premier temps, des besoins non couverts. Donc dans un cas, l'entreprise va saisir une opportunité pour gagner de l'argent, dans l'autre cas elle va imaginer une réponse à un besoin qui n'est pas couvert et dont elle va valider la faisabilité financière. Ici, vous avez le mode de financement, les ressources salariées, bénévoles, salariés, volontaires. Très compliqué de gérer des bénévoles, des volontaires, des salariés ensemble. Déjà, gérer des salariés, tous ceux qui en gèrent savent que ce n'est pas facile. Gérer des bénévoles tout seul, quand vous faites de la vie associative ou de la vie, ou vous êtes engagé dans la vie locale, vous savez combien ça peut être ingrat. Alors, mettre des bénévoles et des salariés, moins par moins, ça ne fait pas plus. Ce n'est pas comme en mathématiques, enfin, ce n'est pas automatique. Donc, la complexité de la gestion d'une entreprise sociale se trouve aussi dans la gestion des hommes.